إن الحمد لله الحمد كله لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا ومولانا ودليلنا ومعلمنا وشفيعنا محمد بن عبد الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله ومن والاه كما صليت وسلمت وباركت ربنا على آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد معاشر المسلمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى إذ يقول في محكم التنزيل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم اجعلني وإياكم من الفائزين غدا بك ونعمة أحباب رسول الله كان بودي أن نستمر في الحديث عن النصيحة لرسول الله ولكن نزولا عند رغبة بعض الإخوان وخاصة الشباب الذين يريدون إجابات عن بعض الأسئلة في الواقع الذي نعيش فيه والإمام لا ينبغي أن يعيش في واقع غير الذي يعيش فيه وينبغي أن يعيش واقعه وخاصة أن يجيب على استفهامات المسلمين في الواقع الذي نعيش فيه تعرفون هذه الأيام تعيش الأمة الإسلامية في فرنسا على وجه الخصوص خدما من الاتهامات وكما من السباب والشتام وغير ذلك وهناك بعض المصطلحات يستعملها الإعلام يريد بعض الشباب أن يعرف كنهها وكيف يتصرف معها وكيف يفقهها alors bref je vais être très pointu chercheur parce que le temps je dois le respecter. J'avais bien aimé de continuer dans notre hadith, le conseil vis-à-vis du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais à travers cette semaine, j'ai reçu pas mal de demandes, surtout de la part des jeunes qui veulent connaître comment réagir dans notre contexte aujourd'hui, comme vous le savez dernièrement, et encore, l'islam a subi une amalgame, a subi des insultes, a subi une méprise insupportable. Bien évidemment, il faut le dire, même les non-musulmans arrivent à dire que ça y est, les musulmans, entre parenthèses, ils arrivent à un niveau, arrêtez un petit peu de parler de l'islam. Mais nous, comment on doit réagir vis-à-vis de cette situation? Comment on peut comprendre cette situation? On ne va pas passer à côté, on ne va pas faire ensemble la politique de truche qu'on n'a rien vu, on n'a rien entendu. Non, pas du tout. On doit comprendre, surtout les jeunes. Il y a des termes qui ont été utilisés à travers ces derniers jours, accusant les musulmans, des termes pièges pour tromper les gens, surtout les jeunes, et surtout pour empêcher les non-musulmans à comprendre cette religion. Et là, les kahbab al-karam, الناس شباب يتساءلون عن هذه الجدلية cette équation si on peut dire entre la loi de Dieu et la loi de la République. C'est bon, ça se pose dans les milieux pour piéger les interprètes ou bien les prédicateurs. Est-ce que la loi de Dieu passe avant la loi de la République, la loi de la République passe avant la loi de Dieu? Mais il y a un problème là-dessus, il y a une ambiguïté. Bien évidemment, les journalistes, ils font exprès pour essayer de perturber, si tu veux. Moi, je demande d'abord, c'est quoi la loi de Dieu? Qu'est-ce que vous voulez dire si vous dites la loi de Dieu devant les gens? Les gens, ils doivent comprendre. Parce que la définition des choses, Al-Qa'id al-Fiqhiyya taqoul, Al-Hukmu al-Shar'i, Al-Hukmu al-Shay'i farghan min tasawwurihi. Pour comprendre quelque chose, pour la juger, pour juger quelque chose, il faut la comprendre. C'est quoi la loi de Dieu? Parce que quand on dit la loi de Dieu et la loi de la République, est-ce que je dois faire le choix entre les deux? Mais il faut d'abord définir la loi de Dieu et la loi de la République. Alors là, on va interroger le Coran pour qu'il nous dise la loi de Dieu. Ça veut dire ce que Dieu a ordonné dans le Coran. C'est ça la loi de Dieu. La loi de Dieu, c'est ce que Dieu a ordonné dans le Coran. Alors, qu'est-ce que Dieu a ordonné dans le Coran? Sourate An-Nahl, ayat 90. Parce que, savez-vous qu'aujourd'hui, on parle à l'univers.
Je ne parle plus à ceux qui sont devant moi. Aujourd'hui, il faut parler à tout le monde, à ceux qui cherchent à comprendre. Je vais être très pointu. Je vais donner pour ça trois définitions. Deux versets et deux définitions de deux grands savants. Le premier verset, le verset 90 du chapitre Les Abeilles. Les abeilles, il y a Nahl. Allah il dit Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan. C'est ça la loi de Dieu. Allah ordonne la justice et la bienfaisance. Alors, la loi de Dieu, c'est la justice et la bienfaisance. Le verset 25 du chapitre Le Fer, Al-Hadid. Allah subhanahu wa ta'ala dit, pour nous parler de la base de sa loi, qui est la loi de Dieu. Laqad arsalna rusulana bil bayyinati. C'est quoi l'objectif? Wa anzalna ma'ahum al-kitaba wal mizana liyaqum an-nas bil qist. Allah nous dit dans ce verset-là, verset 25 du chapitre Al-Hadid, le faire. Certes, on a envoyé nos messagers avec des épreuves évidentes et on a révélé sur eux le livre et la balance. On a descendu sur eux le livre et la balance afin que les gens soient équitables ou bien pratiquent l'équité. C'est ça la loi de Dieu. La loi de Dieu, c'est d'être juste, c'est d'être bienfaisant. Deux grands savants. Le premier, je commence avec l'élève, et après son cheikh. Ibn al-Qayyim, yaqoul, fi kitab i'lam al-muwaqi'in, al-shari'atu, parce qu'on dit aussi la loi de Dieu, bien la sharia. C'est quoi la sharia? Aujourd'hui, on fait peur aux gens. La sharia, ils vont imposer la sharia. Ils vont appliquer la sharia. C'est quoi la sharia? Ils ne comprennent pas. C'est quoi la charia? Quand les non-musulmans écoutent la charia, ils croient que ça y est. C'est couper les têtes. C'est pas ça la charia. Écoutez la charia, la définition d'un grand savant qui comprend la charia. Il a dit « Wa shari'atu asasuha mabnaha wa asasuha ala tahqiq masalih al-ibadi fil ma'ashi wal ma'al » Je m'explique. « Wa hiya adlin kulluha » ومصلحة كلها وحكمة ورحمة كلها وحكمة كلها فما خرج عن العدل إلى الجور وعن المصلحة إلى المفسدة وعن الرحمة إلى ضدها وعن الحكمة إلى العبد فليس من الدين ولو أسند إليه. Je m'explique. Ibn al-Qayyim dit dans son ouvrage I'lam al-Muwaqi'in, la sharia, donc vous essayez de faire peur aux gens, il se base sur la réalisation des intérêts des gens, tous les gens, musulmans ou non musulmans, ici-bas ainsi que dans l'au-delà. Et elle est juste et réalise l'intérêt. Et avec douceur, miséricorde et sagesse. Et tout ce qui sort de la justice à la justice. Et la réalisation de l'intérêt à la perturbation. Et la douceur à la transgression. Et la sagesse à son opposé n'est pas de la charia, même si on essaie de le faire entrer de la charia. Alors vous avez les termes, il faut comprendre les termes. C'est ça la charia. Nétamia, il dit, en expliquant les deux versets qu'on venait de dire, il dit, Dieu, écoutez bien, Dieu soutient un état juste, même s'il est mécréant. Et Dieu ne soutient pas un état injuste, même s'il est musulman. Car c'est la justice et non le régime de croyance d'un système politique qui compte. Regardez, la loi de Dieu. Dieu soutient un état juste, même s'il n'est pas musulman. Et Dieu ne soutient pas un état injuste, même s'il prétend qu'il est musulman. Et regardez dans notre entourage. Pourquoi les musulmans fouillent leurs pieds et viennent ici? Pourquoi le prophète a dit à ses compagnons d'y aller en Éthiopie? Il faut comprendre, c'est ça la loi de Dieu. La loi de Dieu, c'est la justice. C'est pour ça. La biographie du prophète, on la connaît. Pourquoi le prophète n'a jamais envoyé la lettre au roi d'Éthiopie pour lui dire « Impose la charia à ton peuple tant que tu es converti, toi. »
Il s'est converti à l'islam. Al-Najashi, le roi de l'Éthiopie, s'est converti à l'islam. Et la preuve, et le prophète, il savait qu'il s'est converti à l'islam. Et la preuve, quand il est mort, le prophète, il a fait la prière mortière sur lui. Mais le prophète ne lui a jamais envoyé une lettre. Impose la religion musulmane à ton peuple tant que toi, le roi, tu es converti. Mais non. Mais il sait qu'il a appliqué la loi de Dieu qui est justice. Après la croyance, c'est Dieu subhanahu wa ta'ala qui guide celui qui veut, comme il veut. Alors voilà les termes qui sont très importants à utiliser. La loi de Dieu, c'est la justice. La loi de Dieu, c'est la justice. La loi de Dieu, c'est la bienfaisance. Savez-vous, moi j'ai déjà fait ici un prêche spécial. Plus, je peux vous dire, trois prêches. J'ai donné des arguments dans le Coran, des arguments dans la tradition prophétique concernant les principes de la République française. La liberté, l'égalité, la fraternité. C'est la loi de Dieu. C'est vrai, c'est pas vrai. Vous voulez que je répète le prêche? Mais malheureusement, quand on commence à parler de ça, si on a 10 minutes devant les médias, non, c'est pas ça, on ne va pas parler de ça, parle d'autre chose. Ils ne donnent pas à savoir la loi de Dieu. Ils veulent tromper les gens. Pour dire que Ash-Sharia, s'il coupe la main, ou c'est l'APD. C'est qui l'APD aujourd'hui? C'est qui coupe la main? Si on va couper la main, on va couper d'abord la main du gouverneur arabo-musulman. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي وعلى اله وصحبه اما بعد ام بغير اي سي تيني سوسي السلفيه السلفيزم فيت اتونسيون لا موسكي دو غونيزم سي تين موسكي سلفيست je leur ai demandé dans les coulisses c'est quoi donnez-moi la définition de le terme salaf dans l'arabe ils veulent pas définir c'est quoi salaf salaf c'est pas une doctrine. Salaf, ce n'est pas une idéologie. Salaf, c'est une période de passé. Donc, il y a des gros salaf, quand j'ai cité Ibn al-Qayyim et Ibn Taymiyyah. Ils salaf entre eux. Ils sont en divergence dans des détails de la loi canonique. Le fait d'être salaf, ça veut dire je suis les traces de ceux qui m'ont précédé. Et moi, je prétends de suivre les traces de l'origine du salaf. C'est qui l'origine du salaf? C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le premier chiffre de salaf, on compte le prophète et après ses compagnons, et après la première génération, et la deuxième, le troisième siècle, le quatrième, et ainsi de suite. Alors moi, si je suis les traces de mon prophète, je suis un salaf. Non, on ne parle pas du salafisme, on parle du salafisme, on rajoute isme. Ça veut dire quoi, isme? Ça va changer quelque chose? Non, on trompe les gens. Le salaf, c'est celui qui est mort hier, il est considéré comme salaf. Ça, il n'est plus parmi nous, il est passé. C'est ça le salaf. Le salaf, ce n'est pas une doctrine. Pourquoi? Parce qu'on commence à dire non. Apparemment, le voile, c'est un signe du salafisme. Vous voyez, mashallah, l'analyse. Ou aussi, parce que parfois ils se trompent, ils se contredisent. Non, parfois ils disent non, le voile c'est frériste. Ou bien il s'appelle politique. Alors il faut définir, est-ce que le voile c'est frériste, ou c'est salafiste, ou c'est politique? On ne sait pas. Pourquoi? C'est tout à fait quand on ignore quelque chose. On ne sait pas cette définition. C'est pas cette définition. Le problème, il est là. On essaie de faire peur aux gens. Comme quoi, l'islam, c'est un monstre. Et c'est l'islam qui va changer notre façon de vivre. Mais regardez, les musulmans, ils n'ont pas de parti en France. Je ne sais pas pourquoi ils parlent d'un islam politique. Est-ce qu'on a des représentants dans une des deux chambres? Il n'y en a pas. Il est où l'islam politique qui va imposer la charia? La charia, elle a appliqué ses principes, je dis. Les principes de la charia, c'est les principes de notre république. C'est pas un problème. Qui se mieux pratiquer ailleurs? Alors, les jeunes surtout, ils demandent comment on va réagir. On va réagir, sachez,
à travers, ça fait 14 siècles. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous aimait de bonnes épreuves, on est de bonnes épreuves. L'islam, c'est des principes. Mais l'islam, c'est des idées. L'islam, c'est la croyance, c'est la foi. On ne peut pas l'éliminer sur terre, quoi qu'on fait. L'islam, il avait subi plus qu'une discussion entre deux ignorants sur un plateau qui traite l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ثُمَّ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. Allah nous a dit, vous allez entendre, vous serez insultés. Notre prophète, notre grand salaf, il a été insulté. Il a été traité de tolérant. Mais il réagit toujours de la bonne, de la meilleure façon. Parce que parfois, je vois certains frères qui diffusent une vidéo où tout le voit, le visage rouge, il est en colère. Mais je ne sais pas, peut-être s'il a une calache, il va faire la catastrophe. Non, frère, calme-toi. Il a décidé, comme je dis déjà, moi je rends hommage au président de la République. C'est pas pour chercher satisfaction. Wallah, je cherche la satisfaction de personne. Wallah, j'ai peur de personne. On a été menacé, la mosquée a été menacée, les deux imams ont été menacés. Wallah, on a peur. Personne, on a peur de personne. Pourquoi? Parce qu'il y a une croyance. On a été éduqué dans une croyance que personne n'est capable, n'a le pouvoir d'enlever l'âme de quelqu'un. S'il ne serait-ce que Dieu a destiné pour lui qu'il part décevamment. Personne! Wallah al-Adim! Si tout le monde soumet en accord pour te faire du tort, ils seront incapables. Si tout le monde soumet en accord pour te faire bénéficier d'un bien, ils sont incapables. Wallah, on n'a pas peur. On ne cherche pas la satisfaction ni du président, ni de la politique, ni des médias, ni de personne. On est fier d'être musulman. On est fier de nos principes. On est fier de nos devoirs. C'est pour ça, ce qui est important à savoir, nous, la loi, alhamdoulilah, nous garantit d'exercer notre culte, ne serait-ce que. Et sachez, un signe, on l'a reçu aujourd'hui. Pourquoi? C'est qui a ramené Mohamed Florent à la mosquée aujourd'hui? Malgré tout ce qu'ils ont dit pour l'intro-mosquée, il y a un converti qui vient se convertir pour leur dire, malgré tout ce que vous voulez, mon cœur appartient à mon Seigneur, n'appartient pas à vous les médias. Sachez le cas. Soyez zen et poussez le mal avec le bien. Et on doit seulement être des vrais représentants de ces principes de notre religion. Ils vont faire leur tempête, mais croyez-moi, Inch'Allah, l'islam de plus en plus prend son ampleur par ses principes, par sa justice, par sa douceur, par sa miséricorde, par sa générosité, par tout cela. Alors, ceux qui ont la haine contre l'islam, c'est leur problème. Mais, déteste-moi autant que tu veux, mais la loi t'oblige de me respecter. Déteste-moi autant que tu veux, mais la loi m'oblige et t'oblige de vivre dans un respect. Déteste-moi de ton cœur, mais moi tu vas trouver dans mon cœur et dans mon visage que le gros sourire. Tu vas trouver ma réaction, c'est à travers les principes de ma religion. C'est pour ça, faites attention. S'il y a une manifestation, on a le droit de manifester contre cette islamophobie. Mais faites attention. Sans casser, sans insulter, sans faire du mal à qui que ce soit, on a le droit de dire non, c'est trop. Mais alhamdoulilah, jusqu'à maintenant, on a subi tout ce qu'on a subi. La police a fait son enquête. Alhamdulillah, il y a sans suite, sans rien du tout. Ça nous montre qu'on a confiance à la justice de notre public. Alors, on doit toujours se réfugier vers la loi de Dieu qui est 1905. 1905, c'est la loi de Dieu. Savez-vous? Parce que la loi de Dieu, c'est il garantit la liberté à chacun d'exercer son culte. C'est ça. Je reviens à dire. Alors, la loi de Dieu, c'est de vivre dans le respect dans une société. Et chacun, malheureusement, je finis avec cela. Savez-vous, il y a une grande chance aujourd'hui à ceux qui ne connaissent pas l'islam de le connaître. Une grande chance. Et croyez-moi,
depuis que cette polémique, et depuis même qu'on commence à traiter l'islam de tous les non-musulmans ne cessent de venir embrasser l'islam. Vous savez pourquoi? Parce que quand on parle de quelque chose pour la perturber, pour la déformer, pour la falsifier, bon, les gens ils commencent par leur curiosité à chercher. Bon, là, je peux vous dire une simple chose. Avant, quand on publie un parmi les prêches de notre mosquée, il y a 10, 15 vues. Depuis la polémique autour de notre mosquée, il y a des centaines qui écoutent nos prêches. Il y a des centaines qui écoutent nos prêches parce que les gens ils commencent à savoir. Celui-là, alors qu'est-ce qu'il a? Bien, on va chercher. Wallah, je n'ai discuté avec plein. Et en fin de compte, il y en a qui se taisent, il y en a qui disent, c'est pas faux. L'essentiel, continue notre message de paix, de tolérance, de fraternité, de liberté, de l'égalité. اللهم اجعلنا في هذه البلاد آمنين مطمئنين سالمين مسلمين اللهم احفظنا في أهلنا وذوينا وكل نعمة عمت بها علينا إنك نعم لمنا ونعم النصير وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة. Thank you.